Les faits se sont déroulés hier soir. Un homme de 42 ans abattu de sang-froid devant cette maison alors qu'il venait rendre visite à sa mère. L'auteur présumé des faits a été interpellé par les gendarmes dans la soirée. D'après les premiers éléments de l'enquête, il aurait agi avec préméditation. Séparé depuis plusieurs mois de la mère de la victime, il lui aurait reproché d'être à l'origine de la séparation. Dans le village, l'homme était connu pour son instabilité et sa violence. Il avait fait l'objet d'une condamnation pour meurtre en 1982. Une expertise psychiatrique avait été requise suite à des violences commises durant l'été sur sa compagne. La gendarmerie savait très bien que potentiellement il y avait un risque. Tout à chacun qui connaissait bien les personnes pouvait aussi imaginer qu'il y avait un risque. Après, la justice est lente. Et cette personne est restée dans ma reuille. Et je considère que ce que nous avons vécu hier soir n'aurait pas dû arriver. Âgé de 56 ans, l'auteur présumé a été placé en garde à vue à la gendarmerie de Saint-Florent-sur-Cher. Pour le chef d'assassinat, il sera présenté au juge d'instruction demain matin.